Ne vous fiez pas à ce décor bucolique, nous allons parler baston et meuf super badass. Ces dernières années, plusieurs adaptations ciné de comics ont porté à l'écran des super-héroïnes des univers Marvel et DC, et ces films sont l'occasion de montrer une chose assez rare au cinéma, la violence des femmes. Alors pourquoi et contre qui les super-héroïnes font-elles usage de la violence? Est-ce qu'il y a des spécificités féminines dans le choix des armes et dans la façon de se battre? C'est ce qu'on va voir dans Avis de recherche. Maxime Leroll est journaliste et critique de cinéma, spécialisé dans le cinéma de genre, et il s'intéresse notamment aux super-héros dans le cinéma américain. Dans son article « Les super-héroïnes se battent-elles comme des filles ?», publié en 2019 dans la revue Genre en série, il étudie comment le cinéma américain des années 2000 à aujourd'hui présente les super-héroïnes. Il regarde comment leur violence est légitimée et quel est le pouvoir émancipateur de cette violence. Pour cette analyse, l'auteur se repose sur 6 héroïnes différentes. Catwoman, incarnée par Halle Berry dans le film du même nom de 2004, mais aussi incarnée par Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises, sorti en 2012. Elektra, dans le film de Ron Howard de 2005. Jean Grey ou Phoenix, dans X-Men Affrontement Final de 2006. Black Widow, le personnage incarné par Scarlett Johansson depuis Iron Man 2 jusque dans tous les films Avengers. Et deux super-héroïnes plus récentes, Wonder Woman dans le film de Patty Jenkins de 2017 et Okoye qui se bat aux côtés de Black Panther dans le film du même nom de Ryan Coogler qui est sorti en 2018 et dans Avengers Infinity War. Captain Marvel, Dark Phoenix et Black Widow n'étaient pas sortis au moment de la publication de l'article, mais je vous invite à voir si cette analyse est valide aussi pour ces trois films. Alors, commençons par le début. Pour quelles raisons les super-héroïnes prennent-elles les armes? Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques aux super-héros féminins? Parce que bon, on va pas se mentir, ça finit quand même souvent par sauver le monde, mais l'auteur s'intéresse à la raison première pour laquelle les super-héroïnes choisissent de se battre. De nombreux super-héros masculins se battent par patriotisme, comme Captain America par exemple. Ou bien pour la protection de l'ordre public dans une ville par exemple, comme Batman ou Spider-Man. Les super-héroïnes étudiées dans l'article, elles, entrent en guerre pour des idéaux, et en particulier la justice. Alors, selon l'auteur, il y a plusieurs conceptions de la justice qui motivent les héroïnes à se battre. On a Wonder Woman qui s'engage au nom du pacifisme pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, et Catwoman, jouée par Halle Berry, qui s'engage à sauver la peau des femmes, au sens propre, car elle est menacée par le cosmétique Bolaï. Parce que oui, les femmes, donc les cosmétiques. Évidemment. Mais en examinant de plus près les événements clés qui poussent les super-héroïnes justicières à prendre les armes, l'auteur note qu'il s'agit le plus souvent de protéger des personnages faibles ou présentés comme tels. Même Wonder Woman ne se décide à se battre qu'après avoir constaté l'inaction des alliés pour libérer un village occupé par des civils. L'auteur propose alors d'envisager que, plus qu'au nom de la justice, les super-héroïnes s'engagent au nom du Caire. Non, ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Le Caire est une notion que la philosophe Carol Gilligan définit dès 1982 comme la capacité à prendre soin d'autrui. Et pour les habitués de la chaîne, on aborde également ce concept dans la vidéo sur les animaux de compagnie. Cette notion, plus large, permet à l'auteur d'intégrer également Elektra, qui reprend vie pour protéger la famille Miller, et Okoye, la générale du Wakanda, qui s'efforce de protéger la vie du roi T'Challa. Donc, bien que de nombreux super-héros masculins prennent les armes au nom de la justice eux aussi, c'est dans une conception bien différente. Et la mise en scène et la narration insistent beaucoup moins sur le lien qui se tisse entre le super-héros et ses protégés. Et du coup, l'auteur note que la reconnaissance n'est alors pas la même non plus. Les super-héros ont droit à une reconnaissance publique, avec des objets qui sont ensuite vénérés, alors que les super-héroïnes, elles, ont une reconnaissance qui reste dans une sphère quasi intimiste. Dans une moindre mesure, certaines super-héroïnes se battent pour obtenir une revanche sociale, une vengeance contre un ordre établi. Catwoman, jouée par Halle Berry, attaque, on l'a vu, une entreprise dont le patron l'exploitait. L'autre Catwoman, elle, se venge des hommes qui l'ont marginalisée, et Jean Grey déchaîne sa puissance envers ceux qui l'ont trop longtemps bridée. Mais Maxime Leroll note que leur revanche sociale est systématiquement sous l'autorité d'un homme, qui souvent instrumentalise leur vengeance à son service. Le policier Tom Lowe pour la Catwoman de 2004, Batman pour la Catwoman de The Dark Knight Rises, et Magneto. Du coup, en réalité, l'ordre est bien maintenu. Et enfin, les super-héroïnes se battent aussi pour le fun. C'est particulièrement vrai pour Catwoman. You think this is some kind of game? Yeah, now we're playing. You're playing, I'm at work. Et pour Black Widow. Let me put you on hold. Ah!
ce qui est un chouïa dommage, c'est que selon l'auteur, la mise en scène ludique a tendance à diminuer le sérieux de leur démarche et empêcher sa politisation. Sans compter que ça donne aux super-héroïnes un petit côté érotique sadomaso. Ce qui fait un magnifique lien pour la partie suivante. Maxime Leroll, l'auteur de l'article, note un cruel manque de diversité dans les armes employées par les super-héroïnes, par rapport à leurs homologues masculins. Elle se résume à trois catégories. Les armes blanches, la magie et leur propre corps. Quelques armes à feu de temps en temps, mais pas d'énormes guns ni de gros marteaux. Avec cet armement limité, les super-héroïnes adoptent aussi des styles de combat très différents de leurs acolytes masculins. Plutôt que d'utiliser une force brute, elles font souvent emploi de la ruse et de la dissimulation, deux attributs longtemps estimés comme féminins. Mais surtout, elles utilisent leur corps comme arme. Et en particulier, les héroïnes qui considèrent la violence comme un jeu, Catwoman et Black Widow. Et même si elle utilise des lames, la furtive Elektra n'est pas en reste pour utiliser son corps comme arme, ses petits tridents incitant à la lutte rapprochée. Ces héroïnes affrontent leurs adversaires le plus souvent à coups de pied, ce qui donne lieu à une gestuelle très acrobatique, dont on peut douter de l'efficacité, mais qui, selon l'auteur, laisse une très grande place à l'érotisation des corps féminins et au male gaze. Ce concept a été développé par Laura Mulvey, théoricienne du cinéma, dans son livre « Plaisir visuel et cinéma narratif », publié en 1975, comme le fait de considérer et présenter les femmes uniquement en objet du regard masculin hétérosexuel. En fait, le male gaze dans le cadre du cinéma, ce sont des choix de scénario et de réalisation qui montrent au public les scènes du point de vue d'un observateur masculin hétérosexuel qui voit la femme uniquement comme l'objet de son désir. Et ça, selon Laura Mulvey, ça nie la capacité du personnage féminin à agir et à faire avancer le récit. Revenons à nos héroïnes. Selon l'auteur, les combats à main nue exposent les héroïnes au male gaze et à l'hypersexualisation de leur corps, qui sert d'arme. Cet effet est produit d'une part par l'esthétique de leur costume, qui est quand même souvent très moulant ou qui laisse apparaître une partie du corps, et par des choix de réalisation et de mise en scène des combats. Ils sont souvent filmés de très près, dans des positions qui mettent en valeur la souplesse du corps, voire qui miment carrément des positions sexuelles. Le tout dans une esthétique très cuir qui rappelle le bondage et fétichise l'image. Quant aux armes blanches, elles sont souvent de petite taille, comme les dagues d'Electra, et placées dans la main des héroïnes, déjà objets de fantasmes, elles renforcent, selon l'auteur, la métaphore de la femme-chat. Donc Catwoman est évidemment l'emblème. Like my nails. Just got done. Le cas de Wonder Woman et d'Okoye sont un peu différents. Ces deux héroïnes ont beaucoup plus de force physique et elles possèdent des armes blanches assez puissantes. Dans la réalisation, leur corps est beaucoup moins érotisé et la scène d'entrée en guerre de Wonder Woman est considérée d'ailleurs par l'auteur comme un cas d'école. Les spécificités de la guerrière sont montrées, ses poignets, son bouclier, son lasso, même ses protège-tibias, mais pas d'érotisation de son costume ni de gros plans sur ses boobs. Et petite parenthèse sur Captain Marvel, voilà un autre film qui s'en sort pas trop mal non plus pour montrer la puissance de cette super guerrière, tout en évitant l'érotisation du corps et le male gaze. GG. Est-ce que c'est une coïncidence si ces deux films sont les seuls réalisés par des femmes, ou est-ce que c'est le reflet plus général d'une prise de conscience de l'industrie du cinéma et de la société sur ces questions? Je vous laisse en débattre. Enfin, Maxime Leroll note une certaine galanterie même sur les champs de bataille. Est-ce que vous avez en tête des images de super-héroïnes au corps ensanglanté? Ou même une image où on la verrait souffrir? En effet, les corps des super-héroïnes sont quasi indemnes pendant les combats, restant ainsi dans l'idéal de féminité du male gaze, voire même dans le fétichisme sadomasochiste. Or, selon l'auteur, le couple puissance-souffrance conditionne le super-héroïsme masculin. Et le triomphe de la volonté sur la douleur du corps est une manifestation de cette puissance. Puisqu'on ne les voit pas souffrir, les super-héroïnes ne bénéficient pas de l'aura mystique, voire christique, de leurs homologues masculins, qui, eux, se relèvent dans la douleur. Cet article met donc en lumière les spécificités des super-héroïnes au cinéma. Mais il interroge surtout sur le pouvoir émancipateur de ce statut de super-héroïne et de la violence qui en découle.
Si les films récemment réalisés tels que Wonder Woman ou Black Panther présentent des femmes plus puissantes, moins érotisées, l'auteur montre que leur violence ne garantit pas leur émancipation, puisque leur prise d'armes se fait au nom du Caire, qu'elles se battent en tant que partenaires d'un homme, et que leur violence est légitimée par les autorités officielles. For Wakanda. Without question. Cette ambivalence est, selon Maxime Leroll, ce qui distingue la violence des super-héroïnes de celle des super-héros. Il plane sur elles une suspicion d'illégitimité qui n'effleure jamais leurs homologues masculins. Voilà, le lien de l'article est en description, il est beaucoup plus riche en références et en analyses que je n'ai pu vous le montrer. Et je vous mets aussi l'analyse de Captain Marvel faite par l'auteur plus récemment sur son blog, et puis quelques références pour les deux concepts que j'ai expliqués dans l'épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, et je vous laisse sur les mots de Wonder Woman. Ne confondez pas le désir d'éviter la violence avec l'incapacité à y faire face. Oui, c'est complètement hors sujet, mais c'était quand même stylé de conclure par une citation de Wonder Woman.